Tout le monde ici, le Caribou Canadien, vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu. The Town of the Light, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ouais, un sac, il y a... Celui-là. Ah, les que j'ai trouvé ça hier. Amara B. Elle avait 32 ans. Femme au foyer, mère de deux filles, mariée à Mario B. Mais alors, Amara existe vraiment, mais par contre, elle n'a pas d'enfant, elle n'était pas mariée, mais cette photo, c'est elle. Anne Misière, accompagnée par son mari, très nerveuse, elle présente des signes. Joviale, sereine, elle est polie, bien intégrée, comportement et capacité d'expression normaux, renvoyée chez elle le 10 juin 1936. Admission amenée par son mari dans un état d'anxiété, de grande nervosité, a des difficultés d'exprimer, tremble, renvoyée chez elle le 14 mai 1937. 8 mars 1938, soit quelques jours avant que Renée soit admise, elle m'avait dit qu'elle était arrivée comme moi depuis peu. Arrivée hier dans un état fébrile, renvoyée chez elle le 14 mars. Elle n'est pas sortie, certainement pas après si peu de temps, non. Admise à nouveau une fois de plus à l'état de patient très vite amélioré, renvoyée chez elle le 2 juillet. Énième internement pour cause d'agitation, renvoyée chez elle le 27 août 1941. Elle allait et venait, elle ne restait que pendant une courte période. Pourtant, je me rappelle comme si c'était toujours avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? De retour, même situation. Oh, regardez précédemment la mission, la patiente semble déprimée, même après plusieurs jours. Bien que son comportement et son attention restent corrects, renvoyée chez elle le 25 mars. La patiente est distraite, apathique. Son mari l'a amenée parce qu'elle a arrêté de se nourrir. Le docteur, elle dort constamment. Ça me préoccupe. Vous la connaissez, vous pouvez l'aider. Tuberculose. La patiente est transférée en isolation au pavillon de Magliano. Décès de la patiente pour cause de tuberculose aux environs de 8h30. Amara est morte? Ma pauvre amie, je n'ai pas pu te dire au revoir. C'est joint un document manuscrit de la patiente probablement écrit durant une phase délirante. Je suis en train de mourir, je sais, je perds beaucoup de sang, à l'intérieur aussi. C'est étrange, depuis que je suis revenu ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fillette et ses yeux tristes sans désespoir.
Je ne l'ai vue que quelques instants, mais c'est vrai, mais pourtant, elle restera tout jamais dans mon cœur. Va-t-elle rester ici? Bon Dieu, j'espère que non. J'espère que son état s'est amélioré, que sa mère est venue la chercher. Mes souvenirs ne coïncident pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ma mémoire me trahit. Les choses ne sont pas comme dans mes souvenirs, comme je les vois. Mais elle prétendait m'aimer. Vraiment, je ne comprends pas. Je voudrais juste lui dire adieu une dernière fois. Je lui ai jamais dit au revoir. Comment notre âme pourrait-elle survivre à cet enfer? Je voudrais sentir ces choses encore une fois, la douleur, la passion. Sentir encore une fois les larmes mouiller le visage, me rappeler d'avoir été en vie. Je ne peux pas être certain qu'il s'agit de celle d'Amara. Les croix sont anonymes, je ne pourrai jamais savoir à qui elle appartient. Il n'y a qu'un nom ici. Amara n'existe plus, peut-être qu'elle n'a jamais existé. Mais moi-même, j'étais déjà mort. Pourquoi continuer de vivre? Mettons un terme à tout ça. Je veux laisser une trace écrite. Je veux m'excuser pour toutes les souffrances que j'ai engendrées. J'ai toujours écouté mes actes et pourtant j'ai continué de les répéter encore et encore. J'ai continué de faire des erreurs, de détruire ma vie et celle des gens qui m'entouraient. Mon âme pourrissait dans le péché.
Ouais. Ma vie n'était qu'une succession d'erreurs. J'ai honte de tout ce que j'ai fait. J'ai perdu le contrôle, je n'arrive plus à m'arrêter, prisonnière de ma rage et du désir. Le plus obscène des désirs. Maman, ne viens pas me chercher, je t'en supplie. Ben, la map est trop ouverte. Hein. I deserve to be in this place. It's my only chance. Je ne suis pas assez courageuse pour continuer de vivre. Pas comme ça. Avec cette honte qui me consume chaque jour. Avec cette angoisse qui me transforme tout en cauchemar. Non, pas comme ça. Mais je ne changerai jamais, maman, jamais. Laisse-moi mourir, mais n'aie pas de chagrin. Oublie-moi, vite. Quoique... Oui, tu m'as déjà probablement oublié.
comme tous les autres, Dieu, merci.
une autre maison plus loin ou quoi? La poupée, moi je me suis dit.
plus rien. On peut rien. Ouais, c'est par là, faut que je vois. Je vois là-dedans, mais au lieu de tourner à gauche, je tourne à droite. Ah, c'est ça. Là. T'es slow, rien qui va bien.
rien. Oui, je comprends rien. J'ai tout vu ça. Comme si qu'il fallait arriver par un autre chemin. Moi, j'ai arrivé par la clôture. Ça se peut que j'arrive par le jardin. De bloquer, y a rien. Bien sûr, Monster, comment ça va? J'ai dernier sur internet pour le jeu trop mal expliqué. C'est gossant. Non, c'est du site que j'ai manqué de quoi. J'aurais-tu dû ouvrir la porte? Il me semble qu'elle était barrée la porte. C'est assez ouvert. Il se passe rien non plus. Ça. En tant que je crée mon jeu.
Comment ça se fait qu'elle parle puis moi elle parle pas en venant ici? Chose qu'elle a faite là-dedans, je ne sais pas. Là, je garde la vidéo comme il faut. La porte est déjà ouverte, tiens. Ma patiente curieuse. Quand j'ai rendu là. Déjà tout fait ça. Elle a parlé, moi elle a pas parlé. Je me rappelle pas ce qu'elle a parlé tantôt. Rentrons dedans. Pourquoi qu'elle garderait là? Tout fait ça. Bon, il ne peut pas. Crime! Niaiserie. Qu'est-ce qui va pas, mon monster?
ça n'a pas assez d'indications, ce jeu-là. Oh, elle s'est rentré les ciseaux dans le vent. Ah, ça fait mal. C'est pas comme dans la hanche, dans l'aine, plutôt. Ah, ok. Je voulais avoir plusieurs places, je savais pas. Tu fais de quoi en particulier? C'est presque la même sensation qu'un coin. Oh, ça va faire mal, ça. Une douleur qui stick là, qui reste en même place. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça? Merci pour les crottes de caribou! Les camarades d'école, ils sont ici. Prends soin de toi, mon ami. Don Gino me fait toujours peur. Pourtant, René est gentil avec lui. Quand j'étais tout petit, je ne mangeais jamais. Je trouve des 17 affaires. Monsieur Onofrio est vraiment quelqu'un de bien. Je suis méchant parce que je suis pareil. Maman doit encore travailler parce que l'hiver est vraiment froid. Quand j'étais tout petit, je dormais jamais. Pauvre maman! La poupée Charlotte est belle, elle est tellement belle, alors que René, pas du tout.
Un oiseau noir est en train de me péter la tête. Je souffre tellement. À l'école, on apprend beaucoup de choses. Il faut y aller. Comment fait-on? J'ai tellement envie d'une chose. Un chat est rentré dans ma bouche et m'a dévoré de l'intérieur. Au moins, on ne le voit pas. Il manque 5. Don Gino sait tout, il parle avec Dieu d'un tas de choses. C'est une chance, ça fait pas facile à trouver. Quand j'ai brisé le jeu. Ouais, j'ai brisé le jeu. J'ai tombé dans un bug. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être pas. C'est quoi cet endroit? Peut-être que je suis mort. Je ne vois pas de lumière. Oui, je dois être mort. Je n'ai pas la force de me lever. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a personne ici. Pourtant, ces bruits. Oh mon Dieu, comme j'ai mal à la tête. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Thank you.
Et voilà. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. The Town of the Light. Life, la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!